1. Youhou! Hello Athéna, coucou Calice, coucou à tous les Bubble fans. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans un vlog. Alors, on vous dit pas encore où tout de suite, même si vous l'avez vu sur la vignette. Bon, allez, je vous dis, on va faire de l'acrobranche, vous le savez. Et on va faire quoi d'autre encore? Laser game. Du laser game extérieur. Et puis aussi, voilà, du trampoline avec un élastique. Enfin, on connaît pas, on va dans le parc Floreval. Et on va bien s'amuser. Et il va y avoir des invités avec nous. Voilà, que vous connaissez très bien. Allez, c'est parti. C'est par là. Bonjour à tous. Ah, ça y est, je monte l'escalier sans regarder, je vais me casser la figure. C'est pas drôle. Et ça y est, on est installé dans la navette, dans le car qui nous amène là-bas. On est bien dans notre petite table et tout, c'est génial. Et on attend nos deux invités mystères. Voici notre invité mystère. Et oui, alors que Virginie fait sa cuisine. Et monsieur Love. Vas-y, j'étais. On va faire du trampoline. Coucou. Elle monte au chaud. Coucou. J'allume ma caméra. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps. Hein. Oui. Oh là là. Et puis il y a Calice aussi. Et il y a Guillaume. Ça va Guillaume? Ça va bien, ouais. T'es prêt à affronter la pluie? Ah ouais, j'ai mis mes chaussures. Comme une guimauve. C'est vrai que c'est pas tu mal. Tu aurais pu apporter le soleil quand même. En tout cas, le soleil de ce vlog. Attaque, j'ai mis des baskets, tu vois. Voilà, je suis prête à monter dans les arbres. Ils sont pas étanches en fait. Alors, j'adore les baskets à scratch, c'est hyper mieux que les lacets. Ben, installe-toi. Merci. Prête-toi chez toi. Ah oui. Virginie va nous faire un gâteau dans le car. Parce qu'on n'a rien à manger. Alors, attention, je mets des œufs, de la farine. Qu'est-ce qu'on met d'autre, Calice? Du sucre. Du chocolat. Ok, on touille. Tu touilles. Oh, on touille. Beau gâteau. Voilà. Attention, on va le faire chauffer. Allez, attends, il n'y a pas de four. Allez, si, il est là. Miam, 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 miam. Et attention, il va ressortir. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il est gros, regarde, il est énorme. On va les décorer maintenant. Et on le met une intensive. Ça y est, on est parti direction le soleil. Le soleil. Ah, on le cherche. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ça y est, on arrive. Aventure Floreval, réouverture au printemps, et ça tombe bien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour eh bien, lancer un petit peu la nouvelle saison. L'aventure commence ici. Et il pleut pas, youpi, il pleut à Paris. Pour l'instant, il ne pleut pas ici. Tu sais grimper, Virginie? Oui, j'ai déjà fait ça une fois, mais je suis restée bloquée, on est venu me rechercher. C'est assez grimpé, mais c'est pas descendre, c'est juste ça le problème. Non, c'est les étriers, j'ai peur quand c'est les fers, tu sais, qui sont comme ça. Du coup, ça me fait peur. Alors là, nous avons l'aventure Floreval, l'entrée. Ouais. Alors, sentier sylvicole, départ. Nous avons le laser, le poney, l'araignée, le labyrinthe, le cimejecte. Ah, le cimejecte, c'est sympa ça. Et les toilettes. Du poney. Virginie, les toilettes du si tu veux. Du poney. Trop bien. Alors, un petit encart avant d'aller grimper. On va bien s'amuser. C'est ce qu'il faut aussi, hein. Waouh. Il n'y a plus personne de là pour la course. Donc si on est tout seul, on va pouvoir y aller. Faites attention aujourd'hui, il a plu cette nuit, donc c'est un peu glissant tout ce qui est en bois. Donc après, à chaque fois qu'on arrive à une plaque, on décroche, on raccroche. Est-ce que j'ai le droit d'y aller avec la main dessus là? Non, non. Tu sais, ça a brûlé. Voilà. Donc les mains, on les met sur les trois longes. Ok? Et on se lance. Et on va au bout. Wow. Si admettons, on n'arrive pas au bout, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne et on tire. Voilà, on se retourne très bien. Et avec les petites mains, on fait doucement et on se ramène. Wow.
Bravo, tu te débrouilles très très bien. Yes, championne. Alors regarde, on va passer par ici. Voilà. Ouais. Attends. Alors, viens. Je te lance et tu essayes de... Allez. 3, 2, 1. Yes! Championne! Satana, tu te laisses glisser, tu fais Tarzan? Ouais! Virginie! 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 Et il faut que je prenne de l'élan? Non. On dira Athéna. 2, 3. Donc là, on est quand même sur le parcours le plus difficile. Ah non, non, c'est l'entraînement. Non, c'est l'entraînement là. Alors Athéna, tu vas passer en deuxième. Tu fais comme Calice. Après l'entraînement, le parcours découverte pour Athéna. À mon tour. Ouh là là, ça bouge. Virginie est là-bas, va faire de l'escalade. Parti Athéna, tu te débrouilles très bien. Vas-y Calice, la tyrolienne. Ouh. Athéna, tu te débrouilles mais alors, comme une chef, hein. Est-ce que t'as eu peur? Non, super. Allez, j'arrive. 3, 2, 1, vas-y. Bravo Athéna! Oui, oui, oui! Ah, la partie! Quelle histoire du rester là-bas! Oui, c'est gentil. Merci. Bravo Athéna! Ta première grande tyrolienne. Tiens bien avec les mains aussi. Mets ta main plus par là, ton pied plus par là. Hop là! Voilà. Allez, go! Ouais! Bravo! Bon, moi, t'auras essayé. Merci! Ouais Virginie! Bravo! Allez, à mon tour! Youhou! Salut! Ouais, oh là, bah dis donc, c'est marrant ce filet! Oh, Athéna, elle est descendue! Tu peux aller au parcours de 3-6 ans? Tu veux? Là? Super kill? A tout à l'heure! Un filet mignon! Ce qui est très mignon! Ah oui, d'accord, on va passer en dessous, au-dessus, en dessous! Oh là 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 là! Ah! Ah, c'est original, ça je ne sais pas! Et c'est que le parcours découverte, hein! C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la difficulté! On est juste dans la gymnastique! Ça aussi c'est original hein. Ouais. C'est bien, c'est chaque parc d'acrobranche a vraiment des parcours différents. Ah bye bye. Petite maison. Coucou. Coucou. Ah c'est sympa. Ouais, je suis dans la cabane. Papa. Ouais. C'est rigolo ça. Taïo. Ouais. La balançoire tyrolienne. Ça y est, premier parcours de Acrobranche fait. Maintenant, on va faire une petite visite du parc. Parce qu'il y a pas mal de choses assez insolites comme le Sim Eject. Je veux absolument essayer ça. Il y a du poney, il y a plein de trucs. Et c'est privatisé, c'est que pour nous. Merci, la Floréval. On est aux toilettes. Sympa, c'est un petit coin toilette dans les arbres. Là, il y a une petite zone fumeur, parce que tout le parc est non-fumeur, sauf ici. Voilà, il y a une toute petite zone fumeur. Normalement, avec tous les arbres, on va éviter de faire un incendie quand même. Donc là, on va récupérer Athéna, si on la retrouve, parce qu'elle est quelque part dans le mini-kit, je pense. Oh, c'est mini-kit, c'est de 3 à 6 ans. Allez, on va essayer de trouver. Ouais, il y a une voiture de course sur des câbles. C'est une tyrolienne avec une voiture. J'ai vu Athéna. Athéna, elle est là-bas. Elle est là. Choupine.
Coucou. Est-ce que t'as peur ici? Non, tranquille. Alors tu veux aller par où? À droite? Vas-y, je peux venir avec ou à elle. Gauche. Bravo, Athéna. Tranquille, tu es au poteau numéro 13. Elle se débrouille bien ta sœur, hein? Vous voulez plus faire de tyrolienne? On t'attend, on va faire le labyrinthe avec toi, tu veux? Ouais. Et tu vas ou pas? Non, mais pas pour l'instant, faire de la tyrolienne. Bravo Athéna. Ah, j'ai... Youhou! À l'attaque! Oui. Bravo. Bravo. Ah, je vais tomber. Oui, un poteau. Qu'est-ce que tu fais là, petit poteau? Ouais, Athéna. Ouais. Quand tu veux. Attention les pieds, Chris, tu vas te prendre dedans. La mini Tiroro. Athéna, t'es prête? La Formule 1 dans les arbres. Ça va? J'avais un petit peu peur pour l'arrêt. Mais ça va, c'était pas si brutal. Bravo! C'est rigolo, hein? C'est franchement, c'est très original. Regardez le petit volant qui tourne et tout. Ok, allez, on va se faire un petit coup de labyrinthe. Ah ouais. D'accord, c'est parti, c'est par là. Regarde, il y a des singes, Athéna, là-haut. Cacahuète, c'est un singe qui parle. C'est Monsieur Love. On ne l'avait pas vu comme ça encore. Hein. Virginie fait ça. Quoi c'est d'ailleurs Guimau. Qu'est-ce que tu fais, Virginie? Ah bah c'est bien, comme ça, ça donne des émotions fortes. Et nous aussi, on va faire des émotions fortes, on va faire le petit labyrinthe. Pour Athéna surtout. Allez, c'est parti, on fera de l'acrobranche. Bon appétit Athéna, la pause déjeuner. Alors, vous avez bien mangé les filles? Yam. Ouais, maintenant pour digérer, on va se faire un petit coup de labyrinthe. Ouais. Si tu pars avant, c'est à tes risques et périls. On te retrouvera plus, Calice. Adieu. Ah mon Dieu, on a perdu Calice. Ah mon Dieu, ils ont tué Kenny! Au revoir Athéna, Athéna est partie dans le labyrinthe. Allez, je suis. Ouais, je passe par là moi. Et moi je tombe par là. C'est pas plus jeune. Oh attends. Mais c'est un vrai labyrinthe ici! Ah, je t'ai vu, Athéna! Qui va être le premier à sortir? Eh, quand quelqu'un arrive à sortir, vous criez! Enfin, pour l'instant, on est tous dedans. Ouais! Bravo! Deuxième! Tape là, ma puce! T'es la première! Et troisième vous et dernière. Suivez, et première rentrée, dernière sortie. C'est de la triche, vous vous suivez! Non, c'était le hasard. Et en même temps, je peux très bien suivre quelqu'un qui se perd. Hein. Donc là, il y a les poneys. Donc Alice n'a pas envie de faire de poney. Athéna non plus. Tu veux faire des poneys, Athéna? Non. Non. Alors, on va faire le spider. Ouais. Ok. Attention! Waouh!